Salut les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose ma sélection de 5 cadeaux à faire à un passionné d'horlogerie et de montres. Alors traditionnellement, tous les blogs, tous les youtubeurs proposent leur sélection et on retrouve toujours les mêmes conneries. Vous offrez une montre, un bracelet, un remontoir, une boîte à montres, des magazines, enfin ce genre de trucs. Moi, ce n'est pas du tout les idées que je vais vous proposer, parce que ça, vous les avez déjà lues 25 fois. Je vous propose des idées un petit peu plus fun. C'est Noël, il faut un petit peu de déconnade, un petit peu de rigolade. C'est pourquoi je vous propose une sélection de 5 idées cadeaux farfelues, marrantes, déjantées et originales. Avec en plus à la fin un bonus do it yourself. C'est pour ça que je suis habillé avec ma tenue du bricoleur du dimanche et que j'ai mis ma veste polaire la plus chaude parce que ça me le grave dans mon atelier aujourd'hui. On se retrouve donc dans mon bureau pour que je vous présente ma sélection de cadeaux. Alors mon premier cadeau original de Noël, comme j'ai dit avant, ce ne sera pas des montres, des boîtes à montres, des choses comme ça. Il s'agit de gants d'horloger. Donc les gants d'horloger, c'est quoi? C'est tout simplement des gants en tissu fin, souvent microfibré, qui permettent de manipuler les montres de manière délicate. Donc il existe plein de sortes de gants d'horloger. Ça va des gants qu'on trouve sur AliExpress à 3 euros, comme ceux-là. Hein. Ça coûte 2-3 euros, donc vraiment pas cher, accessible à tout le monde. Vous ne ruinerez pas en achetant ce genre de gants. Ça fait le job. Évidemment, en termes de qualité, il y a toujours mieux. Vous pouvez acheter des gants Longines, Tag Heuer, Patek, etc. Par contre, au niveau du prix, ça va y aller crescendo. Personnellement, j'ai longtemps utilisé des gants Longines qui étaient super bien. Par contre, je les ai paumés et du coup, après, je me suis renseigné pour m'en racheter. Et là, j'ai vu que le prix, il avait explosé. Généralement, c'est des goodies qu'on a quand on achète des montres, quand on connaît bien les AD, etc. Mais si vous allez sur eBay, vous allez en trouver des Longines à partir de 15-20 euros. Les Patek, ça peut aller jusqu'à 250-300 euros, j'ai vu. Donc après, est-ce que c'est pas un peu ridicule de mettre autant? La deuxième idée cadeau que je vous propose, c'est une idée cadeau qui coûtera pas très cher, encore une fois, mais qui est toujours pratique et qui fera sûrement plaisir. Il s'agit de produits d'entretien pour vos montres. Quand vous avez des montres, et plus particulièrement des montres qui ont un peu vécu, qu'elles soient vintage ou pas encore, mais que vous utilisez fréquemment pour jardiner, pour travailler, pour je sais pas trop quoi, les montres se salissent et il peut être intéressant de les nettoyer. Pour ça, le premier accessoire indispensable, attention, il va pas vous ruiner, c'est le coton-tige. Donc le coton-tige qui va permettre de retirer la crasse à l'eau claire, hein, tout simplement, surtout foutez pas de Javel ou je sais pas trop quel autre produit à la con. Donc coton-tige pour retirer le plus gros. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser une brosse à dents. Alors, dans mes vidéos, plusieurs fois, on m'a fait la remarque, comment se fait qu'il y a une brosse à dents qui traîne sur ton bureau, c'est un peu le bordel. Non, c'est pas que c'est le bordel, c'est que quand je nettoie mes montres, notamment les lunettes, j'aime bien les brosser un peu. Pareil, les bracelets, j'aime bien les brosser pour virer les amas de crasse qui peuvent se mettre entre les mailles, etc. Donc, la brosse à dents, ça aussi, petit idée cadeau qui va pas coûter très cher. Évitez de prendre la brosse à dents de votre femme, elle va faire la gueule. Troisième produit d'entretien pratique, le polywatch. Alors le polywatch, c'est quoi? C'est tout simplement une pâte abrasive qui permet de poncer légèrement les verres minéraux. Donc les verres minéraux, hein, les verres matière plastique, ils traillent assez facilement. Avec du polywatch et un peu d'huile de coude, vous allez pouvoir rattraper les surfaces légèrement rayées. Généralement, c'est plutôt pour les micro-rayures. Si ça suffit pas, avant de mettre du polywatch, prenez des feuilles à poncer. Plusieurs grains, hein, du plus gros au plus petit, et vous y allez. Et enfin, pour finir, les produits d'entretien, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est vachement pratique, c'est le CapCod. Le CapCod, c'est quoi? C'est un petit peu l'équivalent du mirror que votre grand-mère utilisait pour faire les couverts en argent le week-end. Donc, le CapCod, ça se vend sous forme de lingette. Ça doit coûter peut-être une quinzaine d'euros, je ne sais plus trop. Ça permet de rattraper les rayures sur les matières acier, c'est-à-dire les bracelets, les boîtes. Précaution d'usage, pensez à toujours scotcher les éléments qui n'ont pas à être en contact avec le CapCod. Je pense aux verres, je pense aux boucles déployantes, par exemple, ce genre de choses. Donc, allez-y, le CapCod, c'est pratique. C'est un très bon produit qui est même utilisé par les professionnels. Donc, n'hésitez pas pour restaurer une montre, la remettre, lui remettre un petit coup de jeune. C'est toujours sympa. La troisième idée cadeau, c'est quelque chose que je n'ai pas encore, mais je pense que je vais investir. Parce que comme vous l'avez remarqué, les photos, ce n'est pas trop ma spécialité. Je n'ai pas du tout la fibre artistique.
Et du coup, j'ai pas de réflexe ou de bridge qui me permette de prendre des belles photos. Je les prends généralement avec mon téléphone portable et c'est vrai que la qualité n'est pas forcément terrible, surtout quand on cherche à grossir, à rentrer dans le détail du cadran, des lumes, des aiguilles, des traitements ou même des décorations sur les mouvements. Avec votre smartphone, c'est pas forcément simple de saisir ces éléments. Pourquoi je vous propose d'offrir un objectif macro. Un objectif macro, ça va tout simplement venir se clipser sur votre téléphone et ça va faire une sorte de loupe et ça vous permettre de zoomer pour vraiment capter l'intensité des détails de vos montres. C'est quelque chose, ça peut paraître con, ça coûte à peu près 20 balles, mais mine de rien, ça permet de sortir des clichés assez incroyables. Il y a des spécialistes hein, sur Insta qui utilisent ce type de choses et franchement, le rendu est assez bluffant. Donc, un objectif macro, ça fera pas de vous le meilleur photographe du monde, mais ça permettra quand même de faire de beaux clichés pour lesquels vous pourrez être fier. Il vous restera plus alors qu'à les poster sur les réseaux sociaux, de taguer MoonwatchFR et je vous donnerai mon avis. Ma quatrième idée cadeau pour un fan de montres, c'est un cadeau un petit peu plus de bricoleur, un cadeau do it yourself. Il s'agit tout simplement d'acheter de la résine époxy et des vieux mouvements de montre. Donc les vieux mouvements de montre, vous trouverez ça sur eBay, sur Le Bon Coin, pour 10 balles, vous allez en avoir 10. Ça va vous permettre d'avoir une multitude de pièces et de créer une espèce d'œuvre d'art, tout simplement en disposant vos pièces de mouvement dans un bac. Et ensuite d'y couler de la résine dure pour solidifier. À partir de là, vous aurez alors une superbe œuvre d'art dont vous pourrez être fier et que vous pourrez montrer à vos potes quand ils viendront taper une binge avant de voir un match de foot. Donc ça, c'est plutôt sympa. Moi, je trouvais ça original. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'attends ma résine. Mais sur le net, vous trouverez plein d'exemples de créations vraiment toutes superbes. Il y en a même qui se vendent sur les sites de vente d'art, hein, à des prix d'ailleurs assez dingues. Franchement, le résultat est vraiment très très sympa. Ça nécessite un petit peu de créativité, un petit peu de temps, de quoi passer vos longs dimanches pluvieux à bricoler. C'est toujours plaisant et vous pourrez en être fier. Souvent, on me demande où c'est que je trouve mes supports de montres bleues, roses, rouges, etc. que je vous présente à chaque fois en vidéo, puisque quand je présente une montre en vidéo, j'utilise ces supports, des supports que j'ai fait moi-même. Et du coup, je trouve que c'est une excellente idée, c'est l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est quelque chose qui a apparu maintenant il y a une quinzaine d'années. À l'époque, c'est les Prusa Mendel que les gens faisaient eux-mêmes pour à peu près 300-400 euros. Aujourd'hui, le prix s'est vachement démocratisé. On trouve de très bonnes imprimantes 3D qui permettent de faire ce genre de choses pour moins de 150 euros. Et du coup, c'est hyper original. Pourquoi? Parce qu'avec une imprimante 3D, vous allez pouvoir créer votre montre. Non, je déconne. Évidemment, vous ne créerez pas votre montre. Par contre, vous allez, pour peu que vous soyez un petit peu bricoleur, un petit peu geek, vous allez pouvoir concevoir des pièces uniques, intéressantes, les mêmes les modéliser sur ordinateur et les sortir après en impression 3D comme ce présentoir. Donc, une imprimante 3D, ça vous permet de faire quoi? Bah, à peu près tout ce que vous voulez. Des présentoirs à montres, même des gyrowinders. Donc vous voyez quand même, c'est des trucs assez sympas quoi, pour un passionné de montres, de créer son propre support animé qui tourne, etc. C'est juste dingue. Personnellement, j'utilise cette imprimante qui est une Anycubic. Donc imprimante classique hein, par dépôt de filament. Et vous voyez, c'est quelque chose qui permet quand même de faire des objets jusqu'à à peu près 20 cm de haut, ce qui est plutôt pas mal. Donc une imprimante comme ça, faut compter entre 150 et 250 euros. Il y en a des plus simples, il y en a des plus compliqués. Et franchement, c'est toujours un kiff de s'amuser avec une imprimante 3D. Si vous avez un beau cadeau à faire, parce que 150 euros, ça reste quand même un beau budget pour un cadeau de Noël finalement, hein. On dit souvent c'est le geste qui compte. Là, non seulement il y aura le geste, mais en plus, ça peut être hyper fun pour peu que la personne qui le recevra soit un petit peu curieuse et ait envie bah, de bidouiller tout simplement. Donc l'imprimante 3D, je pense que c'est un super cadeau pour un passionné d'horlogerie et de montres, puisqu'il pourra modéliser ses supports, modéliser ses pièces, modéliser des prototypes même, s'il veut se lancer peut-être dans la conception future d'une montre. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. C'est le moment du bonus. Alors pour le bonus, on se retrouve en extérieur, parce que vous allez voir, c'est un bonus do it yourself. Pour mon cadeau bonus, je vous propose de fabriquer un cadran solaire. Pour ce faire, il vous faudra des gants, des lunettes, un marteau, une tronçonneuse. Bon, je déconne, en fait, il vous faudra juste un crayon de bois, une feuille de papier et une pomme ou une patate. Attention toutefois, la réalisation de ce cadran solaire nécessite des conditions de sécurité optimales. Pour la première étape, il vous suffit de prendre votre crayon de bois, votre feuille de papier et de dessiner
le gabarit du cadran solaire que vous pourrez retrouver sur notre site. Je vous mets tous les liens en description, juste sous la vidéo. Une fois que votre gabarit est dessiné, vous noterez mes talents artistiques, il suffit de le mettre de côté et c'est le moment où vous allez prendre la pomme de terre ou la pomme tout court et la couper en deux. Attention, opération délicate à faire sous surveillance d'un professionnel uniquement. Très technique. Hop, on coupe la patate en deux. Si c'est une pomme, c'est le moment parfait pour faire une petite pause et se remettre de toutes ses émotions. Vous pouvez la manger. Là, c'est une pomme de terre. Je laisserai ça à mes amis belges. La réalisation de notre cadran solaire est bientôt terminée. Étape la plus importante désormais, planter le crayon dans la demi-patate. C'est pas si simple qu'il y paraît. Il y a une technique. Et voilà, on y est. Et on finit la réalisation de notre superbe cadran solaire en positionnant la patate avec son crayon de bois au centre de notre feuille de papier. Voilà les amis, j'espère que la réalisation de ce cadran solaire Do It Yourself vous a plu. Je suis sûr qu'il va faire des heureux, surtout si vous l'offrez à des personnes que vous aimez pas trop. Sur ce, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes si je vous vois pas d'ici là. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.